Et bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui, à la demande d'un abonné, je vais vous apprendre à créer vos propres mock-ups. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mock-up bah, C'est tout simplement hein, une mise en situation d'un de, euh, de, vos, de, de vos projets, par exemple, de, de, de l'une de vos créations, hein, dans, euh, par exemple, sur, comme ici, sur un abri-bus. Hein, ça aurait très bien pu être sur, euh, sur un écran d'ordinateur, sur une tablette ou encore sur un téléphone euh, portable. Donc, l'idée, c'est de prendre une image. Donc, par exemple, vous vous trimballez dans la rue, hein, vous vous dites tiens, cette, euh, cet abri-bus me paraît sympa, je vais le prendre en photo pour créer mon propre donc voilà, on va voir comment insérer ses propres créations à l'intérieur tout en gardant, vous voyez, certaines ombres et tout en, a, en rajoutant certains certains reflets aussi. Un petit peu de grain et euh, une petite couleur unie afin d'uniformiser un petit peu euh, ben, le, le visuel. Et vous verrez qu'il sera très facile hein, en créant des gabarits d'insérer de, euh, bah, euh, n'importe quelle euh, création à l'intérieur. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de télécharger le fichier source, vous en aurez besoin pour suivre ce tuto c'est parti on commence le tuto sans plus attendre alors comme d'hab hein, je vais vous demander de télécharger le fichier source puisqu'en effet à l'intérieur on va retrouver quatre images donc on va retrouver deux images qui vont nous permettre de faire nos mises en situation hein. on aurait très bien pu créer ces affiches pour pour du print un abri bus hein, avec une zone bah, euh, qui abrite du coup une photo et puis euh, une, autre, une autre image qui va nous permettre aussi d'apporter un petit peu de reflet dans, dans le mock -up. Donc on commence, on va venir ouvrir bus.jpg, on fait un clic droit. Ouvrir avec Photoshop. On fait OK. Et ce qu'on va venir faire bah, dans un premier temps, c'est créer un tracé. Donc pour créer un tracé, ça va être simple. Mais d'abord, euh, veillez que vous ayez bien ici à côté de calque l'onglet Tracé. Si vous ne l'avez pas, bah, vous cliquez sur Fenêtre et sur Tracé. Une fois que vous êtes dans l'onglet tracé, on va venir créer ici euh, un nouveau tracé en cliquant sur la petite icône à côté de, de la corbeille. C'est comme si on créait un nouveau calque, en fait, sauf qu'ici, vous voyez, il nous marque tracé 1. Donc, à la place de tracé 1, on peut venir renommer ça en tracé affiche, par exemple. Voilà. Là. Bon, on va venir prendre la plume. Alors, il y a peut-être euh, certaines personnes qui sont euh, un petit peu fâchées avec la plume, mais là, vous allez voir que ça va vraiment être simple puisqu'on est que sur euh, bah, de l'angle droit, donc euh, pas besoin de faire de courbe. Alors, pour prendre la plume, eh bien, il existe un raccourci clavier. Hein, euh, on vient appuyer sur P comme pirogue. Voilà. Et euh, du coup, là, on va pouvoir venir zoomer. On peut se mettre même à 200% si on veut, histoire d'être euh, bah, très précis. Alors pour naviguer comme je fais euh, facilement dans, la, dans mon espace de travail, j'appuie sur espace. Donc la touche espace, vous voyez, j'ai la petite main qui se forme, ce qui me permet de euh, cliquer et d'étirer du coup avec ma souris pour me euh, bah, naviguer facilement comme ceci dans mon document. Ça évite d'utiliser le scroll ici ou en bas pour naviguer. Donc là, l'idée, ça va être de mordre directement là dans le noir puisque si on mord dans le blanc bah, quand on va faire notre détourage, euh, imaginez que ben, vous ayez une affiche noire à insérer à l'intérieur de ce cadre noir si on mord un petit peu dans le blanc et ben bah, vous aurez toujours un petit liseré blanc donc ce sera pas forcément joli c'est pourquoi il faut pas hésiter à mordre dans la matière donc à la limite on peut se placer à peu près ici ou même un petit peu plus haut comme ceci donc là on appuie sur espace et on va venir se positionner dans l'autre euh, coin ici. Et on va venir bah, tout simplement avec la, la plume cliquer. On garde, enfin on essaye de ne pas cliquer ailleurs. Hein, et du coup, là maintenant on va pouvoir descendre un petit peu. Donc on appuie sur espace encore une fois pour naviguer. Et on vient cliquer à peu près ici. Donc là vous voyez, je mords quand même considérablement dans mon tracé. Mais là je suis, euh, j'étais à, à 300%. Hein, donc là si je me remets à 100, ça va. Hein, là, euh, Bon, allez, on mord à 1 mm donc c'est pas c'est pas grand-chose donc on peut se permettre euh bah, on va faire exactement pareil, hein. on va se mettre à l'autre angle. Donc on appuie sur espace. Et puis là, on va se mettre à peu près ici. On vérifie qu'on ne mord pas dans le blanc. Alors des fois, ça dépend aussi de la perspective de l'image. Là, vous voyez, pourtant, je suis à peu près en ligne droite. Mais euh, là, je suis vraiment limite, limite, mais ça passe encore. Donc là, euh, donc là, je suis bien. Donc c'est euh, important, vous voyez, de mordre quand même dans un maximum dans, dans les noirs du, du cadre de, de l'image. Et puis bah, maintenant, on va pouvoir remonter. À notre point d'origine, premier point d'ancrage, hop, on clique donc là vous voyez si je clique et que je ferme mon tracé, je vais faire CTRL Z ou CMD Z, je veux fermer mon tracé. J'ai la petite pastille en dessous de la plume, le petit cercle qui me dit que c'était mon point d'origine et que si je clique dessus là je ferme bien mon tracé. Mais alors attention, vous voyez là si je zoome un petit peu plus là je viens mordre dans le blanc. Oui, c'est la perspective de l'image qui n'est pas forcément bonne. Donc, à la limite, on va, le, euh, on va faire plusieurs points d'ancrage. Donc, là, on peut dézoomer un petit peu si on veut. On va essayer de faire un premier, un point d'ancrage ici. Voilà, donc là, on sait qu'on ne mord pas encore dans le blanc. Un deuxième, à peu près ici. Un troisième, on essaye de le faire là. Voilà, là, on continue à mordre, donc c'est parfait. Et là, enfin, on va pouvoir venir fermer notre tracé. Donc, là, on est bon, hein. On a mordu dans le noir un peu partout, c'est parfait. On va retourner dans l'onglet Calque et puis ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier. Donc pour créer un nouveau dossier, on vient cliquer ici, juste en dessous de, juste à côté de l'icône pour créer un calque. Et par exemple là, on peut le nommer Mockup Affiche. Et à l'intérieur, on va créer un nouveau calque et euh, on va le renommer. On va dou double-cliquer dessus et on va l'appeler Gab par exemple pour gabarit. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir se replacer sur le tracé et on va venir appuyer sur Commande si on est sur Mac ou euh, Contrôle sur PC et on vient cliquer sur l'icône ici que l'on a créé. Vous voyez, on a le tracé qui s'affiche euh, qui, qui en plus. On fait Commande ou Contrôle clic et là, vous voyez, on vient récupérer la sélection de, euh, bah, du tracé, si bien qu'on va pouvoir venir se repositionner dans calque. Donc, on fait attention qu'on est bien sur le calque ici Gab et on va venir cliquer. Sur édition, donc on essaye de se mettre en blanc par exemple en premier plan hein, et on fait édition remplir. On se met bien en couleur de premier plan, opacité à 100% et on fait OK. Donc là pour désélectionner, on peut faire commande ou contrôle D et euh, bon voilà, on va se retrouver avec euh, vous voyez un, un rectangle qui suit la perspective tout blanc. C'est pas terrible, mais au moins c'est notre gabarit. Donc on peut le masquer si on veut en cliquant sur le petit œil. Et là ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir prendre Avenger. Euh, ou même avant ce qu'on va venir faire, avant de, de s'attaquer aux affiches, on va venir créer quelques zones de... Euh, les petits reflets, vous voyez, qu'on qu trouve ici. Hein. C'est tout simplement les, les reflets du toit de, de l'abribus qu'on retrouve dans la partie haute. Donc ça, on va venir les recréer pour apporter un peu plus de, de réalisme au mock-up. Donc on a qu'à créer un nouveau calque et puis on va le renommer en euh, par exemple ombre. Là, pas forcément besoin d'être très très précis. On va pouvoir prendre le lasso. Donc le raccourci clavier c'est L. On peut zoomer un petit peu. Et euh, donc on se place bien sur le calque ombre. On peut se mettre en noir en premier plan. Et on va venir tout en appuyant sur Alt, vous voyez, recréer en fait les ombres du, euh, bah, du toit. Donc attention de ne pas utiliser la molette, la molette, sinon vous allez zoomer, vous n'allez pas descendre vers le bas ou vers le haut, vous allez zoomer dans le document. Donc en fait, étirez un maximum, vous voyez, vers le bas pour bouger dans le document. Donc on va à peu près se mettre comme ça. Hein. Hop, voilà, on essaye de suivre un peu la perspective. Comme ceci. Voilà, ici aussi. Et là, on vient fermer tout ça et on relâche. Donc là, on vient de faire notre sélection. On va pouvoir cliquer sur Édition, Remplir, Couleur de premier plan, OK. Donc là, on vient bien de remplir de noir. Par contre, ça fait un petit peu, c'est un peu too much. Euh, alors à la limite, on va pouvoir baisser l'opacité et se mettre en 20% pour voir dans un premier temps. Donc après, libre à vous, hein, si vous voulez vous attaquer vous voyez, aux autres ombres ici, euh, libre à vous de, euh, de les insérer au sein du, cap, de, du calque ombre que l'on vient de créer. Maintenant, on va venir ben, ouvrir l'image Avenger. Donc, à la limite, soit on la fait glisser dans le document, soit on fait un clic droit, ouvrir avec Photoshop. Ça va nous ouvrir un nouvel onglet, accessible ici. Donc là, on peut faire Commande A ou Contrôle A pour tout sélectionner. Commande C ou Contrôle C pour copier. On se remet dans l'onglet ici de, nos, enfin, de notre document d'origine. Et on va venir... Euh, faire un contrôle ou un commande clic sur le calque gab gabarit pour récupérer la sélection et là on va faire quelque chose d'un peu spécial on va faire édition collage spécial et on va faire euh, alors par contre on va être obligé de l'allumer par contre ce calque hein, sinon ça va pas marcher donc édition collage spécial et on va faire coller dedans si bien que là, on se retrouve avec un calque qui a été collé dans la sélection du gabarit que l'on a créé. Et là, vous voyez, si je prends l'outil flèche, je peux venir bouger bah, directement mon affiche. Hein. Elle va rester dans mon gabarit. Par contre, le seul problème, c'est qu'elle est un peu trop grande. Et la perspective, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas du tout bonne même. Donc, on n'hésite pas. Hein. On peut venir dézoomer un petit peu. Et là, on va faire CTRL-T. Pour transformation manuelle et là bas vous voyez qu'elle dépasse carrément euh, la la hauteur enfin la, la dimension de, de notre document d'origine donc on fait contrôle t on vient prendre un petit angle par exemple en haut à droite on appuie sur shift et on vient réduire tout ça hein. donc le fait d'appuyer sur shift ça va nous permettre de garder le ratio donc là on essaye de la réduire un petit peu comme ceci voilà donc là on est à peu près, bon généralement ce que je fais, hein, j'essaye de ne pas laisser de blanc, vous voyez, dans de blanc du gabarit derrière. Donc là on est, on peut dire qu'on est bien. Pour être plus précis, on peut bah, encore une fois zoomer à fond. Donc on peut se mettre à 100 ou à 200%. Et puis maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se placer dans l'angle ici en à gauche. Et on va venir bah, placer le premier. Euh, la, la, la petite poignée ici, vraiment à euh, dans, dans le coin ici gauche du gabarit. Donc on peut appuyer, après ça dépend de la perspective, sur commande ou contrôle pour créer vraiment une déformation en fait de notre image. Donc on peut, si on veut aussi mordre un petit peu encore une fois dans le noir. Donc là on se déplace en faisant espace. Et puis ce point ici, on va venir tout en appuyant sur commande ou contrôle venir, voyez, le positionner ici dans l'angle en haut à droite hein, de, notre, euh, de notre gabarit. Donc on essaye hein, de garder à peu près une même, la même perspective, hein, vous voyez, donc là on est à peu près bon. On peut se fier par rapport à cette ligne et euh, à la fiche que l'on retrouve en dessous. Donc là c'est très bon. On va faire exactement la même chose avec le point qui traîne en bas à droite. On appuie sur commande ou contrôle et on le ramène ici on peut, si euh, on a relâché, c'est pas grave, hein. on peut essayer de bien se replacer, voilà, comme ceci, donc on n'hésite pas encore une fois à mordre un petit peu dans le noir, et on va faire la même chose avec le point ici, en bas à droite, donc on appuie sur commande ou contrôle, on vérifie qu'il n'y ait pas de blanc, là vous voyez qu'on a un peu de blanc, donc à la limite, hein, comme tout à l'heure, on peut essayer de mordre un petit peu plus, donc on appuie sur contrôle ou commande, on étire un peu plus vers la gauche, et on va faire exactement la même chose en bas. On étire un peu plus vers la gauche. On regarde si on n'a pas de blanc. C'est peut-être un petit peu limite encore ici, donc pas de souci. Hein. On vient étirer encore un peu plus et on fait de même ici en bas à gauche. Je pense que là on doit être pas mal. Effectivement, on est très bien. Donc pour valider, soit on appuie sur Entrée ou sur la petite flèche ici. On peut venir dézoomer un petit peu. Et là, bah, vous voyez qu'on a quand même une, bah, notre affiche en perspective. Donc c'est quand même un peu réaliste. Sauf que, ben, bah, par contre, on voit, vous voyez, un petit peu ici euh, de, de, de lignes. De, de... ça pixelise un petit peu. C'est pas forcément joli. En même temps, on est à, à 33%. Mais vous voyez, il y a une petite ligne blanche, encore une fois. Qui peut même encore correspondre au blanc de l'image ici. Oui, vous voyez. Donc à la limite, on va venir. Euh, décocher, enfin, on ouais, décocher le petit œil pour masquer euh, notre gabarit. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Et afin de rendre bah, l'affiche encore un peu plus réaliste, hein, le la mise en situation, on va venir double-cliquer sur calque 1, déjà pour le renommer. On va venir l'appeler ben, affiche 1, par exemple. On vient double-cliquer dessus, et on va venir cliquer sur ombre interne. Au niveau de l'angle, on va essayer de se mettre à peu près en 90 degrés de bien répartir euh, l'ombre portée et au niveau de la distance on va la mettre à 0 mais par contre au niveau de la taille on va l'augmenter un petit peu on va la mettre par exemple à 50 pixels au niveau de l'opacité on peut venir se mettre à 90 on fait ok on dézoome un petit peu pour voir ce que ça fait donc là vous voyez que si je fais ctrl z Là, vous voyez, on a déjà une petite ombre interne qui rend bah, la chose un peu plus réaliste. Donc, voilà, ne pas hésiter hein, à créer une ombre interne. Donc, là, c'est pas mal. Et en plus, bah, vous voyez que euh, ce qui renforce en plus le, euh, le, la réalité, le réalisme du mock-up, c'est ces petits effets ici de, euh, bah, de, de reflets du toit qui, euh, qui se reflètent du coup dans, dans, dans l'affiche. Donc on peut aller encore plus loin puisque là vous voyez qu'il y a des petits plots là. donc à la limite on peut venir récupérer euh, le ville.jpeg. on peut le faire glisser lui à peu près, à peu près ici. On peut venir baisser un petit peu son opacité afin de... Euh, donc là on a peut-être un peu trop baissé hein, de voir euh, où sont positionnés les plots. Donc là pareil on peut donner des petits coups de, contrô de contrôle ou de commande afin d'élargir la perspective. Donc là par contre si on est élargé ici, essayer de faire une ligne à peu près droite comme ceci. Hein. Vous voyez donc on essaye de se positionner à peu près comme ça. Donc c'est pas grave si c'est pas vraiment très réaliste par rapport à la réalité. C'est euh, L'idée hein, c'est juste de pouvoir euh, bah, récupérer un petit peu de matière encore une fois dans la fiche, hein, histoire d'accentuer le, le réalisme du mock-up. Donc là qu'on est à peu près OK, on valide en faisant entrer. Donc on peut se remettre, vous voyez, à 100%. Et là, on va venir créer un nouveau euh, masque donc, en cliquant ici jusqu'à à côté de l'icône FX. Voilà, donc on crée un masque sur ville. Point... Enfin, sur notre euh, image le calque ville et on va venir faire un clic un contrôle clic sur le gabarit. Vous voyez Et pour afin de récupérer en fait notre, euh, notre sélection et on va venir faire un euh, commande ou contrôle shift I pour intervertir la sélection. Donc, sinon, vous pouvez venir euh, cliquer sur Sélection, Intervertir, hein, le raccourci clavier, donc c'est Command Shift I ou Control Shift I, afin bah, du coup de, euh, de comment récupérer tout le reste, c'est-à-dire l'environnement le, euh, en fait, de, de, de notre arrière-plan. Et on va venir remplir notre masque-ville de noir. Donc, on fait édition, remplir, en noir en premier plan, on fait OK, vous voyez. Afin de garder en fait juste de la matière dans, euh, dans la fiche. Ce qu'on peut venir faire, c'est se positionner du coup euh, donc sur le calque ville et euh, le mettre en incrustation, histoire que ça s'incruste hein, un petit peu donc, dans la fiche. Et on va venir baisser l'opacité. Hein, on va essayer de la mettre par exemple soit à 10% ou à 15%, histoire de garder juste un petit peu de matière. On peut regarder ce que ça donne. Bon, on aurait pu peut-être... Euh, ah, je me suis mis en 5, pardon, mais si je me mets en 15, vous voyez, on, bah, on garde un petit peu plus de... de matière dans... On applique un peu plus de matière dans l'image, donc ça accentue encore une fois le réalisme de la photo. Donc là, c'est pas mal, et ce que j'ai tendance à faire aussi, c'est euh, de créer... Un, un calque de réglage avec une couleur unie pour uniformiser en fait tout, euh, tout le visuel c'est à dire que je clique ici pour créer un nouveau calque euh, de réglage et je clique sur couleur unie donc généralement je me mets dans des tons chauds dans des jaunes dans des jaunes orangés comme ceci je fais ok et euh, je, euh, je viens baisser l'opacité hein. je la mets à peu près à 5 euh, ou à 10%. Je viens changer son mode de fusion, je vais mettre en produit. Donc là, vous voyez, on applique une petite teinte euh, chaude, hein, on va dire, à l'ensemble du, du document. Et généralement aussi, je finis avec l'ajout d'un petit grain. Donc ce que je fais, c'est que je crée un nouveau calque, que j'appelle grain, et que je remplis en blanc. Donc édition remplir en blanc. Et je viens euh, lui spécifier filtre, bruit, ajout de bruit. Donc je me mets à peu près, euh, on peut se mettre à 20 pixels. On peut se mettre en, en uniforme. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu plus, même euh, vous mettre en 25. Vous pouvez vous mettre en monochromatique, hein, histoire d'avoir que, que des grains noirs. Et vous faites OK. Après, donc là, vous pouvez vous mettre... En produit également encore une fois. Donc là vous voyez vous venez d'apporter un petit grain à l'image et là bah, on baisse un petit peu bah, l'opacité de ce calque, du calque grain. On peut se mettre à peu près en, euh, en 50 ou en 40%, vous hein, voyez, histoire d'appliquer un petit grain à l'ensemble de, de notre image. Donc là on est pas mal et euh, bah, surtout bah, vous voyez que c'est quand même assez réaliste et du coup si on vient récupérer le Avenger 2 Ouvrir avec Photoshop, un petit CTRL A pour tout sélectionner, ou commande A, CTRL ou Commande C pour copier. Encore une fois, si là bah, j'ai envie de faire une autre mise en situation avec une affiche différente, bah là vous voyez, j'ai juste à venir cliquer sur le, mon gabarit ou directement sur mon masque ici pour récupérer la sélection. Je me mets bah, au niveau de Affiche 1, puisque je veux que le, ma nouvelle création passe par-dessus. Et je fais euh, édition. Collage spécial collé dedans. Voilà. Si bien que là, bon là mon, mon affiche est peut-être un peu petite, mais c'est pas grave. Hein. Je peux, vous voyez, comme tout à l'heure, en appuyant sur commande ou contrôle, créer ma propre perspective, hein. et surtout bah, que ça suive la perspective de euh, de la Bribus. Voilà, comme ceci à peu près. Je le fais vite fait, là je ne m'applique pas, c'est juste pour vous montrer que là, bah, ça, va vous, ça va être très facile pour vous d'appliquer, d'insérer n'importe quel type d'affiche maintenant que vous avez créé votre, votre mock-up. Voilà, bon, je vais valider comme ceci, et là vous voyez que ça reste toujours euh, assez bah, réaliste donc n'oubliez pas de d'éteindre de, hein, quand même le, le calque affiche 1 et pour copier le style l'ombre interne on va venir faire un clic droit sur affiche 1 comme ceci on va faire copier le style de calque et on va venir faire clic droit sur je vais le renommer affiche 2 Clique droit et coller le style de calque, vous voyez, pour récupérer l'ombre interne. Donc là, vous voyez, en plus, ça garde encore une fois la teinte jaune que l'on a appliquée, le petit grain, et voilà, c'est parfait. Et le jour, bah, si vous voulez euh, comment euh, bah, supprimer l'affiche 2, vous avez juste à l'éteindre pour venir récupérer juste affiche 1. Après, libre à vous de faire des réglages différents, hein, c'est-à-dire que si vous euh, repliez tout euh, la petite flèche hein, pour y voir un peu plus clair vous pouvez euh, par exemple appuyer sur commande alt shift et e ou contrôle alt shift et e pour fusionner tous les calques que l'on a créés euh, et pour en faire un nouveau calque et ici après avec par exemple filtre Caméra RAW, vous pouvez bah, booster un petit peu plus les images, c'est-à-dire jouer un peu plus sur l'exposition, un peu plus sur le contraste, ajouter ou au contraire diminuer les tons clairs, pareil pour les tons foncés, pareil bah, pour les blancs, les noirs aussi, et puis bah, la clarté pour apporter un peu plus de détails, la, la vibrance hein, pour euh, diminuer un petit peu euh, toutes les, euh, les couleurs, et vous faites OK. Voilà, vous voyez, vous, vous arrivez quand même avec. Euh, ben, un résultat assez, assez sympathique et puis ben, après si vous voulez accentuer encore une fois un petit peu plus la mise en situation elle nous empêche de faire un filtre correction de l'objectif personnalisé et ajouter un peu plus de vignettes voyez, pour assombrir un petit peu les coins voyez, de votre image et si vous trouvez que la teinte jaune que l'on a créée ou orange ben, on ne la retrouve plus, ben, livre à vous de reprendre le fond 1 est de le placer comme ceci par-dessus voilà comme ça vous avez toujours votre teinte Enfin bon, après c'est des, euh, des petites techniques hein, que euh, que vous savez faire, mais euh, au moins là vous savez comment créer un mock-up et ben la technique s'applique aussi sur n'importe quel type de, de visuel. Donc si vous prenez en photo votre MacBook ou votre votre HP, votre votre ordinateur portable hein, ou ou votre iPhone, votre votre tablette et eh bien vous ferez exactement la même chose, hein, c'est-à-dire un petit tracé, et euh, vous utiliserez l'outil plume hein, pour euh, bah, du, du coup créer votre propre mock-up. Donc bah voilà, j'espère que, euh, bah, que ce tuto vous aura plu et que bah, il va vous servir hein, dans... Euh ben, par exemple, hein, pour mettre en, en valeur vos, votre portfolio, par exemple, hein, sur votre site internet. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires, ou euh, carrément... Par mail à Damien n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube hein, pour être averti des, pros, des prochains tutos, sur Facebook aussi, hein, facebookcom collectifteamate et puis aussi sur Twitter, collectif underscore Teammate. Voilà, bientôt, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto.